les paysagistes, ils ont pas ça sur la foire. Il est fini, Atmosphère. C'est fini. Il est mort dans l'âme sur les réseaux. Salut mes petites limailles. On a bien avancé. Là c'est branle-bas de combat. Donc là c'est en train de bosser. Là on a Alban, Bibi, Marty, Théo en train de travailler. Et là on a l'équipe de jardiniers qui sont arrivés. Donc on a Baptiste. Vous connaissez Baptiste, Baptiste star des réseaux. Et son apprenti. Bonjour. Tu t'appelles comment déjà toi? Marvin. Marvin. T'es satisfait Baptiste? Ça se passe bien ou pas? Je pense que je vais le renvoyer à l'école. C'est vrai? Il manque un peu de compétences? Il manque d'expérience, je pense. Au niveau des noms, latins, des plantes, ça va? Il a bien révisé ou pas? Ça déconne. Ça déconne. Si le patron donnait des bons outils pour travailler. C'est vrai, regarde, là, c'est ça en train de me faire. Ça, il y a du jour de merde. Est-ce qu'un jour tu t'es dit, putain, je finirai au Mans, au pays de la rillette? Non. En train de découper du jour de mer pour une porte, j'ai rien à voir avec ça en plus. En ce moment, je suis en pleine remise en question sur moi. Je me dis que j'ai peut-être raté ma vie. Logiquement, je suis censé de moins en moins travailler et de faire des tâches de plus en plus gratifiantes. Et là, c'est pas à poser un jonc de merde au Mans. Un jonc de merde. Un jonc de merde au Mans pour Julien de Sons of Metal. Pour te dire. Ah n'empêche, grâce à toi, je pense que grâce à toi, Amélie, je pense que j'ai quand même le plus beau stand de la foire. Il y a tous les paysagistes qui se sont arrêtés. Il a déjà pris des. Ouais, alors attendez, faut que je vous raconte. Le mec il arrive, t'as tous les paysagistes de la foire qui disent ah, on peut te prendre en photo avec toi et tout machin. Oh bon, t'attendais pas à voir ici? Bah oui, un mec aussi élégant et aussi classe au pays, hein, un mec aussi élégant et aussi classe au pays des beaufs, au pays de la rillette, bordel. Eh, hey, le circuit des 24 là mon copain. On est bien dans notre région, putain, il connaît rien le Nantais, en plus c'est un Nantais. Une petite limaille. C'est incroyable. Ah putain, je suis stressé. Merde. Est-ce que ça défonce pas sa grand-mère? Regardez-moi ça. Tout n'est pas encore fini de monter. Le petit photocall là-haut. La terrasse en rooftop. Petite pergola. Petit escalier. Tous les nouveaux modèles de verrières, ça y est. En total exclu, il y a des dingueries. Et là, je vous en avais pas parlé, ça encore. On en parlera bientôt. Bon, mes petites limailles, c'est le dernier jour de la foire. Ça a été incroyable. Vraiment, ça a vraiment été incroyable. Je suis tout ému. J'ai volontairement pas filmé les soirées quand il y a eu tout le monde, mais voilà, je remercie Marvin et puis Amélie pour de Studio Atmos, Atmosphère, qui m'ont bien accompagné sur le projet. Amélie, toi tu le sauras, merci pour ta puissance commerciale en entrée de stand. Il y a Hutman qui était là, il y a Morad comme un pro qui est venu de Montpellier, mon Momo, donc ça m'a touché droit au cœur, c'était un truc de ouf. Lucas, alors Lucas Marissal, énorme révélation, Lucas, cet homme ne sait pas que vendre du VPI. Cet homme est un monstre de DJ, je n'ai jamais vu ça, j'ai fait des grosses soirées, j'ai fait des gros clubs. C'est un génie, je te remercie encore mon chéri pour ta présence. Là hier dimanche on a eu Rachel Emilien qui était là, ça s'est super bien passé, on avait mis le petit photocall, beaucoup de visites, enfin c'était trop bien, voilà. Donc j'ai pas filmé les soirées, je vous mets vite fait quelques petites stories des deux événements qu'on a fait et on se retrouve juste après. Ce soir dans Enquête exclusive, drogue, alcool, prostitution, verrière, les dessous de ma belle verrière. Tout de suite, le business des influenceurs. Comment organise-t-il des soirées aussi abouties? On va répondre tout de suite à un reportage de Cédric Caudal. Et de Mourad de Comme un Pro, c'est lui.
Hours later. Bonjour Bruno. Alors c'est vrai que vous êtes créateur de contenu. On va parler de Sounds of Metallery, mais d'abord, rappelez-nous quel âge vous avez. J'ai 37 ans. Vous êtes vibrésien. Je suis vibrésien, né au Tertre Rouge, un petit gars du cru. Alors vous êtes président de Technium, c'est ça? C'est ça, tout à fait, et de ma belle verrière. Bonjour Julien, bonjour à tous. Moi je m'appelle Jonathan et je possède un site de vente en ligne e-commerce, donc drapeaupublicitaire.fr. Et sur le stand de Julien, donc, j'ai réalisé les drapeaux publicitaires qu'on peut voir juste derrière. Regarde-moi ça, Malimaï, comment c'est beau. Bon, tu me les as fait dans un délai plus que short. Plus que short, ouais, exactement. Voilà, réalisé complet, le produit est super de qualité. On a eu des super bourrasques devant et ce n'est pas tombé. Donc, quand même. Donc, toi, en fait, t'es un peu sur le même principe que moi avec ma belle verrière. C'est un site configurateur en ligne, fabrication française et tu peux livrer partout. Voilà, en fait, c'est un site de vente avec c'est des drapeaux à thème. On peut trouver donc pour les boulangers, les restaurateurs. Enfin, là, c'est plutôt orienté commerçant. Mais derrière, vous avez aussi une rubrique pour les TPE, PME qui peuvent envoyer un fichier informatique ou qui peuvent nous confier la création graphique de leur drapeau. Voilà. Et juste pour l'occasion, en fait, avec le code remise Technium, vous avez 10%. 10% de remise sur votre première commande. Vous avez encore gratté un code promo. Ah, je sais, c'est plus fort que moi. Il m'a déjà fait un super truc. Je dis, oh, t'auras pas un petit code quand même. C'est une petite limagne artisan, indépendant, qui veulent des drapeaux. Bah voilà, vous savez où aller. Il y a le lien en description, t'hésites pas. Pendant 3 semaines. 3 semaines. Bon, il voulait 2 semaines tout à l'heure. Bon, 3 semaines, on y va. Je gratte, vous me connaissez, j'essaye d'aller au maximum. Donc voilà, pendant 3 semaines, si vous marquez Technium, vous avez 10%. Et franchement, le produit est super, c'est fabriqué en France. Enfin, c'est que t'es comme moi en fait, on est dans le même délire. Je fais des drapeaux, je fais des verrières. Exact. C'est ça. Bon, c'est voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est la partie drapeau. Et pour toutes les parties bâches, tout ce que vous avez déco, mes toutes petites étiquettes, là, ma belle verrière, qui sont d'une beauté incroyable. Là, c'est mon Vincent que vous avez déjà vu dans mes stories. Vous voyez, Vincent, c'est lui qui me fait notamment pour les verrières. On fait de la vitrophanie polymérisée. Tu vois, ça nous permet de faire des verrières comme ça, pour notamment, surtout, pour des salles de bain. Parce que dans le coup, tu n'as pas de profil et tu peux nettoyer tranquillement. Et ça, c'est un super produit. Je vais laisser Vincent présenter sa société. Allez mon Vincenzo. Ah, bon, nous on se connaît tous les deux, hein. Oui effectivement j'ai rencontré cette belle limaille un matin à mon local. C'est vrai. Donc enchanté les limailles. Donc moi c'est Vincent, donc gérant de la société Locodeco. Donc nous on va être spécialisé dans le wrapping covering. Donc c'est un process qui consiste à faire aussi bien votre véhicule de pub, donc à recouvrir votre véhicule, aussi bien en publicité que votre véhicule personnalisé. Donc je suis accrédité 3M, donc j'ai passé les formations 3M. Et ça c'est beau. Oui, pour justement ce gage de qualité, pour avoir une garantie, une durabilité de la pose. Donc Vincent fait du wrapping, vous connaissez mon goût et mon appétence pour le wrapping. Je pense que ma prochaine voiture, ça sera lui qui me la fera. Hein, la première, comme vous le savez, j'avais fait chez des confrères. À toi, oui. Voilà, mais qui sont un peu plus loin. Donc, vu que Vincent, là, on est devenu bon copain et on habite vachement loin, je crois que son local, il doit être à 1 km à vol d'oiseau de chez moi. Et en parlant de wrapping, t'as pas fait un petit truc rigolo là, qui est exposé sur la foire? Alors là, sur la foire, il y a deux spécimens assez rigolos. Donc, on a fait un petit Vito, en noir mat. D'accord. Et aussi une petite voiturette. Non. Parce que oui, on peut faire de l'adhésif et en poser partout. Est-ce qu'elle était, tu m'as dit qu'elle était compliquée la voiturette à faire? Oui, c'est du plastique. Bon, c'est pas vraiment le meilleur véhicule à faire, mais c'était marrant à faire. On va voir ça? On va voir ça. Allez, on y va. Bon alors mon Vincent, allez, présente-nous ce que t'as fait là, parce que c'est franchement incroyable. Alors donc voici la bête. Donc l'objectif était à la base de le recouvrir en entier, mais question budget, voilà, on était limité. Donc voilà pourquoi on a proposé une démarcation graphique. Il est de quelle couleur D'origine il est gris. Gris alu. Ah d'accord, ça c'est le gris alu d'origine. Donc, c'est le gris alu d'origine. Donc voilà, il y a eu toute la face avant qui a été recouverte en adhésif satiné. Et puis donc on a voulu jouer sur le côté du vert Petronas, DF1. Donc De Lewis et George Russell. Exactement. Et donc on a joué aussi sur un petit contraste justement avec du noir brillant pour justement mettre en avant donc le 72 et puis bon bah une petite aussi publicité pour donc l'Étoile Pro qui m'a confié ce véhicule. Et donc après pour la petite anecdote graphique qui est très subtile, donc au niveau du tracé des étoiles, en fait voilà, c'est une partie du circuit où on retrouve le virage d'arnage en fait. C'est très subtil. D'accord. Mais voilà, c'est le petit côté le petit clin d'œil au Mans. Pour justement créer cette démarcation graphique. Et donc tu as fait aussi une voiturette. Oui, ça, exactement. C'est extraordinaire. On va la voir. Ah oui, on va aller la voir. Allez, on y va.
Donc alors explique-nous, c'est quoi les particularités de cette voiture, parce que je connais un peu le wrapping maintenant, ça n'a pas l'air d'être simple. Ah ouais, non, ça n'a pas été du tout simple, parce que c'est des pièces donc qui sont en plastique. Donc quand on va réchauffer notre adhésif, il va faire très attention, parce que le plastique risquait de fondre un peu. Donc voilà la difficulté technique qu'on a pu avoir ici. Mais après, au final, le rendu était de vouloir obtenir cette couleur un petit peu de cette Fiat 500 électrique avec ce rose gold. Donc on a trouvé une référence adhésive qui s'y marquait bien. Et puis aussi, on a voulu s'amuser à ressortir le côté sport en faisant cette fameuse sortie donc en noir pour justement créer ce contraste et donner un côté sport à cette voiture qui, n'oublions pas, va jusqu'à 70 km/h. Vous comprenez pourquoi c'est un pote à moi, il est aussi con que moi. Elle est folle, elle est folle. Elle est incroyable. Tu penses que je peux faire un drag race avec la Tesla contre ça? Ah bah là, elle te scotche. Ah bah de ouf. Ouf, de ouf. Non, mais en fait, faut. Ceux qui s'y connaissent en wrapping vont comprendre que là c'était pas simple. Bon bah les gars, merci pour tout. Merci encore, merci pour ce que vous avez fait. Je vais essayer de faire. Alors attends, je les prépare, ils sont pas au courant. Je vais faire un stand encore plus incroyable l'année prochaine. Hein. On est prêt. Donc préparez-vous, faites des ventes. Hein, parce que il va falloir que. On sera là, pas de soucis. On sera là. Bon voilà, ils seront là. Bon allez mes amis, on continue. Allez. Donc voilà, mais tout ça n'aurait pas été possible déjà sans Alban, bien sûr. C'est lui qui m'a dit Julien, faudrait faire la foire, moi je la fais depuis des années. J'étais pas chaud au début. Hein. Pas du tout. Et au final, bah, on y est. Ah bah il m'a chauffé à mort. L'année prochaine, il faut qu'on fasse mieux encore. Ça va être incroyable. Donc je voudrais remercier les partenaires de cet événement et je les prends dans l'ordre, pas forcément dans l'ordre. Salut mes petites limailles, c'est Julien du futur qui vous parle. Oui, parce que Julien de l'époque de la foire, il a complètement oublié de vous parler de Bergenwatcher, qui sont aussi des partenaires qui m'ont accompagné dans ce projet. Voilà, je vous laisse regarder ce qu'ils font, des magnifiques coffres forts, des cadenas, c'est incroyable, c'est la sécurité. Donc merci aussi à eux. Bon allez, on retourne à la foire, let's go. À consommer avec les modérations, mais les trois brasseurs Le Mans qui m'ont mis à disposition la tireuse, de la bière blonde et de la bière blanche pêche brassée chez eux. Voilà, c'est à Saint-Saturnin, les trois brasseurs au Mans, allez-y. C'est vraiment des amours. Après, dans l'ordre aussi, enfin pas dans l'ordre justement. Menuiserie Millet, hein, comme je vous ai montré, la gamme simple. Menuiserie en acier. Intérieur, alu extérieur. Performance thermique, les meilleurs du marché parce qu'il y a beaucoup plus de verre. Comme je vous ai montré avant, hein, pas de ferrage visible, pas de dormant. Voilà, on est sur une qualité de produit qui nous permet d'aller chercher des dimensions de menuiserie incroyable. C'est vraiment, enfin, cette gamme là vous pouvez la retrouver dès aujourd'hui sur Ma Belle Verrière, c'est à dire qu'à partir d'aujourd'hui Ma Belle Verrière, on est fabricant, bien sûr on vous fabrique toutes ces magnifiques verrières intérieures en acier qu'on fabrique nous mêmes et on distribue, qu'on peut livrer chez vous aussi au même titre que les verrières, toutes les menuiseries simples qui vont nous permettre de faire des verrières énormes. Je vais vous mettre une photo là, je sais pas si tu vois là, il y a une photo là, t'as vu, elle est belle la photo. Et ben ça, c'est de la menuiserie simple. C'est pas de la menuiserie métallique à rupture, c'est de la menuiserie simple. Enfin, c'est incroyable. C'est franchement incroyable. Et je vous mets aussi tout de suite la petite vidéo de présentation de la menuiserie simple. Vous allez comprendre pourquoi. C'est incroyable. Vous pouvez la retrouver dès aujourd'hui sur Ma Belle Verrière quand vous faites des demandes pour de la menuiserie extérieure. Amélie, Margot et moi, on va se faire un plaisir de vous répondre là-dessus. On vous livre chez vous aussi vos menuiseries et c'est une dinguerie. C'est vraiment des verrières d'extérieur. C'est fou, avec des performances thermiques meilleures que l'aluminium. C'est une dinguerie. Voilà, donc merci à Millet, Cibet de m'avoir suivi sur ce projet parce qu'ils m'ont mis à disposition généreusement ces deux belles menuiseries pour les exposer. Donc vraiment, merci beaucoup à toute l'équipe de Millet, Cibet. Bien sûr, en tant que partenaire, bah devine quoi, bah il y avait Ma Belle Verrière. Bah oui, ils sont gentils, Ma Belle Verrière. Donc ça... La cathédrale, hein, je vous ai un peu montré. On a la design qui est là. Après, on peut tout faire. Hein. Mais bon, là, on a l'Apollo qui est ici. Là, on a une vraie Piette Mondrian. Ça aussi, mon partenaire qui m'a fait ça, c'est Vincent. Vincent de chez Loco Déco. Vincent de chez Loco Déco, c'est lui qui m'a fait tous les visuels. Tous les visuels, voilà, qui m'a fait mes magnifiques bâches là-haut. Tout ce qui est... voilà, tout ce qui est bâche, tout ce qui est covering de voiture, enfin voilà, c'est incroyable, il m'a fait tout ça. Les portes d'entrée, je voudrais remercier, pareil, marque française, hein, toujours marque française, hein, tout en marque française, le Radif, hein, et en plus, je vous dirai, mais on a, voilà, vous verrez, je vous en dirai bientôt plus, pas trop le dire, mais
On va Radif, ça va envoyer du pâté. Porte made in France. Hein. Vous voyez, bâton de maréchal incroyable. Comme quoi, il y a encore même des sociétés industrielles qui arrivent à travailler avec avec toujours cet esprit et cette mindset de l'artisanat. Autre partenaire, la cale. La cale. Alors là, petite entorse, c'est franco-allemand. Ouais, il y a usine en France, usine en Alsace. Bon, le grand PDG de la cale, c'est une entreprise allemande de base, mais le PDG de la cale est français. Donc tout ce qui est moustiquaire, volet roulant, voilà. La cale qui nous a accompagnés, qui nous ont prêté pour la foire. Ces magnifiques supports qu'ils utilisent eux, exemple pour Batimat, pour la foire de Paris, pour des gros événements comme ça, pour Artibat. Ben, ils me l'ont prêté, donc va trouver des fournisseurs qui te prêtent leur propre expo de stand de marque à eux, c'est fou. Autre partenaire, on va continuer. Et là, à toute l'équipe. On en a chié ou pas? On en a chié. Ouais. Mais est-ce que c'était bien? Oui, c'était énorme. Ouais, c'était un truc de dingue. Donc autre partenaire pour les portails. Alors moi je peux en fabriquer en ferronnerie, comme vous avez déjà vu sur les épisodes. Mais aussi, on travaille avec, bon, ils sont connus, hein, c'est Cadieux Costumes, société du 29, Locronan, donc c'est des bigoudins. Allez voir, Costume, K-O-S-T-U-M, ils font des portails incroyables. En fait, c'est un peu le ma belle verrière du portail. Quand on leur pose une question, est-ce que vous pouvez faire? Oui, ils répondent toujours oui. Donc ça c'est dingue. Autre partenaire, je vais vous en parler plus rapidement parce qu'ils étaient. Ils ont partenariarisé mais pas trop, enfin pas assez. Donc voilà, juste on fait des très belles pergolas, hein. Sachez qu'on peut faire ça. Pergola, bioclimatique, lame orientable, rétractable, des stores, voilà. Je peux pas dire le nom de la marque parce qu'ils n'ont pas participé au projet. Quoi d'autre? Bah si. Ah, CCMB quoi. CCMB. Les Algeco, voilà, ils nous ont suivis aussi. Hein. Bon, je les ai payés quand même, mais j'ai eu un bon prix. Donc ils sont là, ces CMB. Toi, leur truc, c'est de louer des Algeco, louer des engins. C'est une société familiale, voilà. C'est eux qui ont déjà installé les Algeco que vous avez vu, chez Technium. Les beaux Algeco, hein. les pourris, c'est pas ces CMB. Hein. Ça, c'est les inventions à bonnet qui se retrouvent avec ces merguez. Je vais les foutre à la péraille, je vais appeler mes copains voyageurs, on va emmener ça chez Passno parce que je crois même que je vais faire un truc en dur tellement ça me saoule. Bref. Bon, ma belle petite Limaille, merci pour tout. Petit épisode, j'espère qu'il vous a plu. Ça vous a permis de voir un peu la foire, comment ça se passait. Nous, on est super contents, on a fait une foire extraordinaire. Hein. Je ne vais pas donner les chiffres, mais on a fait une très 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 belle foire. C'était incroyable, il y a des gens qui sont venus de super loin, de Bordeaux, de Lille, de Montpellier, de Tours, d'Alençon, de Caen. C'était trop bien. Donc je pense qu'on a fait un truc quand même qui est assez ouf. On va essayer de faire mieux l'année prochaine. On va faire mieux l'année prochaine. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!